Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de mur, il n'y avait rien. Il arrivait à un bout de bois, et ce fameux bout de bois, il en faisait une charrette, comme nous, avec ce véhicule qui n'arrivait que le châssis, et on en faisait un véhicule. Ça demandait un travail phénoménal. Hein. C'était l'évolution des produits, l'évolution des hommes en même temps. Il fallait que tout le monde avance en même temps. In 1889, as the opening of the Eiffel Tower filled the headlines, Cartwright René Lagodé left his native village of Ernée for Laval. His excellent business sense led him to set up shop opposite the marketplace. Each week, local farmers, his prospective clients, admired his window display. Maison Lagodé rapidly became the top name in horse-drawn carts, and more than 10,000 were produced by the factory, equipped with material purchased at the 1900 World's Fair. René Jr. succeeded his father at the helm of the company and continued its expansion until he suddenly died in 1925. 4 years later, his only daughter Angèle married a former apprentice, Marius Gruot. At the age of 22, Gruot, who himself came from a family of cartwrights, took the reins of Maison Lagodé, just as mechanical traction was revolutionizing the trade. Marius Gruot, a coach builder by trade, whom had learned the ropes with André Citroën's former right-hand man, began fitting out personal and commercial vehicles as automobile manufacturers struggled to meet the demand from their expanding clientele. After the war in 1955, the coach building firm, which had taken the Gruot name in 1933, secured a large order for 250 Citroën T55 based coaches for the French Air Force. Ça a été la période du petit car, et ce petit car, ça a déjà fait connaître l'entreprise Gruot et Marius Gruot déjà sur une échelle déjà assez grande. Ils en étaient fiers parce qu'il avait fait un véhicule pour Nice. Il avait donc emmené son car là-bas et il avait eu un prix. To accommodate its industrial development, the company moved its production facility to a new factory in Rue de Ponceau, Laval. C'est avec joie que je vous accueille pour la première fois en ces lieux et je vous remercie vivement d'avoir bien voulu répondre à mon invitation. La carrosserie Gruot occupe aujourd'hui 150 personnes et se propose de continuer à exercer son métier de constructeur de carrosserie et, si la chose est possible, aller encore plus de l'avant. Et aujourd'hui, j'accepte de tout cœur la proposition du gouvernement portant les congés payés à 3 semaines. Il y avait une forge. Et sur cette forge, il était travaillé, toutes ces pièces métalliques. Et le plus gros œuvre, c'était de faire un mannequin pour assembler la caisse. Une fois tout soudé, on prenait toute la caisse entière et on la reposait sur le châssis. It also expanded its design office, which was placed under the responsibility of Marius's eldest son, René Gruot. Quand je suis arrivé, le bureau d'études, ça consistait simplement à recopier ou à redessiner tout ce qui avait été créé dans l'atelier par les gens de l'atelier. Chaque véhicule était un véhicule particulier et la personne de l'atelier travaillait avec un minimum, un dessin commercial ou un vague croquis d'un client ou une photo, et d'après ça, il construisait son véhicule. Expansion continued thanks to export orders and a caravan business, which continued until 1977. In 1968, as staff numbers topped 400, another move became necessary to the current site in Saint-Barthevin. In 1979, having led the company for 50 years,
Marius Grieux handed over the keys to René, who had won his spurs as chairman by bringing the company back after a difficult period in 1977. Je peux parler surtout de l'arrivée de René Grieux avec la première industrialisation, on va dire ça comme ça, bureau d'études, où les produits forcément arrivaient dans l'atelier, chose nouvelle avec des plans. Five years later, René himself died suddenly of cancer and was succeeded by his son Patrick. Patrick Grieux was the fifth captain of the family company, having joined the sales department in 1980. He implemented a total quality approach based on participative management. Ça a été une époque très riche, très forte, et je crois qu'aujourd'hui le management participatif, il est ancré dans la culture Grieux, même si on parle de développement durable aujourd'hui, ce sera quand même par un système de pilotage, de management qui est lié entre les êtres humains et avec les bonnes volontés pour faire en sorte que les gens comprennent pourquoi on est là, pourquoi on peut faire autrement, pourquoi on peut faire mieux vers le client. In 1989, a century after it was founded, the company launched a minibus, the MG36. Nous avons été aussi le premier carrossier à développer la voiture société sur véhicule de tourisme 4 portes, la porte latérale sur les fourgonnettes qui aujourd'hui sont intégrées au tarif des constructeurs, l'allongement d'une fourgonnette qui est également intégrée au tarif du constructeur et un certain nombre d'autres produits comme cela. After an initial decisive external growth operation in 1987 with Grieux Paris, the company established its site in Saint-Étienne in 1991 by purchasing Ducarme, a company specializing in hearses. In the early 1990s, in order to offer a local service to all its customers in France, Grieux created the first network of body kit distributors. In 1993, it became the first European coach builder to achieve ISO 9001 certification. In 1995, Grieux won the French Quality Award and accelerated its expansion through external growth operations. It bought Isberg, an insulated vehicle company in Le Mans, and Pico, a company in Bonn, specializing in ambulances for the fire service and emergency response vehicles. 3 years later, having won a contract to fit out vehicles for Renault through a tender process, it created Grieux Lorraine near Metz. In 2001, the group bought two companies, Petit Intor and Sanicar in Grenoble, and created an ambulance division. Combined with Pico, this division placed it second in the country. At the same time, Grieux reinforced its partnership with major vehicle manufacturers. Aujourd'hui, le statut de numéro 1 européen a été obtenu justement sur la base d'une stratégie bien pensée. Pour Kangoo, par exemple, nous avons réalisé ici à Laval plus de 50 000 véhicules. Le niveau de qualité atteint sur ces lignes en série a bénéficié à l'ensemble de la maison. In 2002, Grieux strengthened its position in the 3.5-ton large van sector when it bought out Labbé, the French market leader at Lombal. In the same year, the Grieux Group continued its external growth by moving into Poland. The following year, in 2003, they set up in Barcelona, Spain, close to Renault and Nissan, under the name Grieux Iberica. A few years later, in order to bid for tenders relating to its ambulance and insulated vehicle ranges, Grieux set up a sales subsidiary in Algeria. In 2004, as keen as ever to take on new challenges, the Mayenne coach builder became a manufacturer when it created a new urban multi-service transport solution, the Grieux Microbus. This was developed 4 years later to produce a 100% electric version and a partnership with the Bolloré Group, to whom Grieux entrusted the project in its entirety in late 2011. In 2008, Grieux strengthened the construction and civil work specialisation of its Le Mans facility and moved Legras' commercial tipping vehicle business in. In parallel, the group continued its commitment to sustainable development by launching its Blue-Green Plan. In 2010, the group carried out another external growth operation when it purchased Gifa Collet,
making it one of two market leaders in the medical vehicle sector. Still in the field of sustainable development, which we all know is so important, Gruo created Gruo Clean Vehicles and invested in electrical commercial vehicles by creating its Electron range, the only 3.5-ton range in the clean vehicle market. The range was presented for the first time at the European Solutrans show. This provided an opportunity to celebrate 20 years of the Gruo network, backed by 125 service centres. Fueled by a company culture which celebrated its 120th birthday in 2009, Gruo staff are preparing confidently and enthusiastically for the future via the 2015 company project, which is being implemented across all of the group's companies. Aujourd'hui, Gruo a plus de 120 ans. Ma mission en tant que dirigeant et animateur de ce groupe familial, c'est de le pérenniser et de le développer. Cette mission est engageante et passionnante. Gruo est devenu le numéro 1 européen, multispécialiste de la carrosserie sur véhicules utilitaires. Avec les managers et tous les collaborateurs qui m'entourent, nous avons pour les prochaines années deux défis à relever. Le premier, c'est d'internationaliser notre groupe et le second sera de proposer de nouvelles solutions électriques pour les véhicules utilitaires. Ces deux nouveaux challenges consolident notre projet d'entreprise et il marque notre volonté de poursuivre cette aventure industrielle et humaine dans le respect de nos valeurs.